Ah mais attends. Je pensais pas que t'allais oublier. Speedrun vraiment? Bah ouais, regarde. Catégorie en plus, hein. Une vraie catégorie, mon gars. Parce que je suis cool. On laisse les animations de combat. Cette catégorie. C'est du troll. C'est un faux speedrun. C'est un faux speedrun, mon gars. Mais il y a un timer, donc c'est un speedrun. Et un faux speedrun quand même. Un bon augure. C'est de la RNG. Hein. Voilà, donc dans le speedrun, on fait ça. Voilà. Pour RNG type loof. Voilà. Donc là, on a un type loof 31 IV. Mais ça, c'est sérieux hein, ce que je fais. Ça, c'était sérieux. Sauf que, bien sûr, j'ai pas la bonne seed, hein, donc on s'en bat les couilles. Hashtag il a pas la seed. Tu random les starters? Bah ouais. Oui, mais Tiplouf, c'est le Pokémon qui... Ah oui, je vais reposer la question. Ouais, j'aime les Pokémon, excuse-moi. Excuse-moi. Excuse-moi, j'ai dit non. Ouais, Tiplouf, c'est celui qui est en troisième position en fait. Mais peu importe. Hein. De toute façon, là, on va pas avoir un Pokémon avec 31 IV partout. Puisque je vous ai dit qu'on n'a pas la bonne seed. Et sur émulateur, c'est horrible comment ça fonctionne en fait. Alors. Tu vois, c'est type louf. Ah! Que notor! Onigilali. Tyrannosif, ok.
Alors, décidez... En fait, au final, Tortipousse, c'est le meilleur. C'est le mieux. Je peux choisir un starter. Non, c'est trop tard. Ah, j'ai corps ardent déjà. Ok. Les types des attaques, pas les types des Pokémon. Bah ouais, Volvite type acier. Excuse-moi. La puissance des attaques aussi. Hein. Donc Volvite, ça se trouve, ça fait pas du 20, tu vois, ça fait du 181. C'est peut-être pour ça que j'ai one shot. On va pouvoir voir ça tout à l'heure, tout de suite. Hardy, corps ardent, Volvi 110, Rafale Psy 30, Piqué 65, Queue de fer, tout est physique. J'ai pas random les trucs. Ok, donc Volvi c'est stylé. Et Queue de fer aussi, ça va. Ah, dis-toi que le marathon Pokémon, enfin le marathon, ça va être ça, mais sur 6 jeux différents, et les bases de statistiques sont modifiées, donc sont random. Les types des Pokémon sont random aussi. Et les évolutions des Pokémon sont random. Donc c'est un peu plus poussé. Et voilà. Et les moves aussi peuvent être physiques ou spéciaux. Enfin, physiques ou spéciales plutôt. Ça c'est random aussi. Voilà. On va avoir du what the fuck. Gros what the fuck. Mais c'est un speedrun. Ouais, total random. Oui. On va rentrer et boum. Tu vas pleurer, ah oui, oui, oui. Totalement. Speedrun. Voilà. Optimisation. Thank you.
Si tu perds, tu reset sur le marathon. Non, le marathon, ouais, c'est pas en speedrun hein, le marathon. Hein. Enfin, c'est en mode on commence le jeu, on doit le terminer, mais. Il n'y aura pas de strat. Il n'y aura pas de strat, quoi. Il y aura en mode. En mode on y va, quoi. En mode on joue au jeu, quoi. Ni Nuzlocke d'ailleurs, hein. Nuzlocke c'est trop difficile, je pense. Il faudrait. En fait, il faudrait que je grind. Il faudrait que. Faudrait trop de choses en fait pour Nuzlocke. Et c'est pas rentable pour un marathon de passer des heures à XP. Donc voilà. Oui, c'était son random. Ouais. Pourquoi il m'a donné quoi? Il m'a donné un retour? Enfin, c'est ce qu'il a dit, mais à mon avis, non. Surpuissance. Poison? D'accord. C'est d'abus 70. Savoir que les effets supplémentaires des attaques, elles, ne sont pas random. Genre, par exemple, Balgren, ça tape 2 à 5 fois, ça ne sera pas random. Et là, par exemple, sur puissance, ça baisse l'attaque et la défense. Ça ne sera pas random non plus. Donc, poison 70 et qui baisse l'attaque et la défense, c'est un peu de la merde. Non, c'est pas 40 de power, 40 PP. 40 PP. Mais 70 de power. Et 100 de précision. Faut savoir aussi que, oui, pour le marathon, les précisions sont random. Ici, non. Parce que c'est trop chiant. Mais les précisions sont random. Donc on va avoir des attaques ultra puissantes avec genre 10 de précision, tu vois. Ah bah, Balgren 150 de puissance. Oui, bah. J'ai des attaques de quoi en fait? Aussi. Ah merde, c'est en deux tours. Damoclès de type. Super efficace. Ok, petit combat peut-être. XP. Merde. Escadra. Il craint pas l'acier, dommage. Bonsoir, alors c'est un speedrun. Ouais, Arcalis. Ouais, il a crash. Ouais, c'est un speedrun Pokémon Bloody Platinum. Bloody Platinum, ouais, c'est ça. Ça speedrun Pokémon Bloody Platinum. En no serious, hein, bien sûr. Hein. Ce n'est pas sérieux ce speedrun. Parce que tout est random aussi. Enfin, presque tout. Lui il a un Wistikram pour capturer un Siamrast. T'as vu plusieurs voir dans live Twitch, tu stream tous les jours. Je stream le mercredi, samedi et dimanche. Ouah, wow, en palcorn, bien. Si on pouvait random ce que vend les shops, ouais j'avoue. Ça serait craqué. Ouais les prix ouais du coup. Je stream ouais, le mercredi, le samedi et le dimanche. Du speedrun et du let's play. Sur Pokémon essentiellement. Non mais tu sais, pas les prix en mode Nawak, genre...
Je sais pas, genre... comment dire... par exemple, les Pokéballs, c'est 200. Bah, admettons, ça rentre de mise le prix des guérisons avec les Pokéballs. Donc les guérisons passent à 200 Poké-Dollars, tu vois, genre... truc qui a aucun sens. Oh, Tarpo. Ouais, c'est ici que va tomber le World Record. Ouais. On prend la fuite. Enfin, putain, fait chier. Bon, on va faire Volvi, hein. On n'a pas le choix de toute façon. C'est notre attaque la plus puissante. De la life, quand même. Embargo, ok, on n'utilise plus d'objets. Ok. Du coup, on a un Tyranocif spécial. Hein. Plus bizarre. Ok. Lui, il résiste pas au type acier, il est mort. Il résiste au type acier. Je sais plus. De toute façon, c'est notre meilleure attaque. Go. Non, ça résiste pas. Stylé, hein, Lugia obscur. Crocodile. On va faire queue de fer. Putain. Ok, encore. Arrête de rater! J'ai une toute petite question. Est-ce que quelqu'un utilise l'application que besoin de team pour le signe classique? C'est pas bruit de Pokémon, mais si quelqu'un l'a payé, je reste quand même parce que je kiffe Bloody Play. Eh bien, moi, sache que je peux utiliser PKX. Cependant, je génère une team aux viewers en échange d'un petit don de 1€ minimum. Voilà. Si t'as envie de me soutenir et d'avoir ta petite team, eh bien, tu fais un petit don d'1€ et je te la ferai sans problème. On peut avoir des Pokémon obscurs en damisant les Pokémon. Non, pas du tout, c'est pas le jeu officiel en fait. C'est Pokémon Bloody Platinum, c'est une ROM hack. Ah, c'est pas faire de don. Ah, dommage. Tous les légendaires de Pokémon Platinum en fait sont comme ça. Hein. Capturé. C'est esclave. Ouais, ils sont stylés les Pokémon obscurs.